Mes petits chéris, on va refaire un cours de maintien parce que je me rends compte que c'est vraiment trop important de bien insister sur la tenue à table. Alors, on va voir comment manger proprement. J'ai décidé aujourd'hui de vous montrer comment manger de la salade, en partant de ce que j'ai tendance à voir dans le commun des mortels. Hein? Regardez, Léonore. Ok. Vous avez envie de rigoler, mais... Vraiment? C'est ce qu'on voit très souvent, c'est dégoûtant. Comment mange-t-on de la salade? On prend sa fourchette, on pique un petit morceau de salade, et c'est la fourchette qui vient à la bouche. Et non pas la bouche qui descend à la nourriture. Enfin, nous ne sommes pas des animaux quand même. Parce que je dis ça, mais parfois on se pose vraiment la question en regardant les gens manger. Hein. Donc, on n'oublie pas que là, c'est la main qui est au service de la bouche. Entendu? Oui, mère. Bon. Ensuite, l'eau. Voilà ce que je ne veux pas voir. Ça, c'est hors de question. On dirait un bovin assoiffé. On ne boit pas son verre avec les deux mains ni en entier d'un seul coup. Attention quand même, hein. Je vais vous montrer ce que je désire voir. Un verre d'eau rempli aux deux tiers, que l'on prend avec une seule main et distinction, délicatesse, comme s'il était léger. Pourquoi pas lever le petit doigt? Et on prend une gorgée ou deux et on repose son verre. Même si nous avons très soif, nous boirons en trois fois. Est-ce que c'est compris? Oui, mère. Bon. Troisième petit point, pour saucer l'assiette. Ce que je ne veux pas voir. Je sauce, je sauce, je sauce, je fais les boueurs. Ah bah. Comment fait-on pour saucer son assiette? Bah oui, ça vous fait rire, mes petites chéries, mais c'est quand même un sujet important. On prend un petit bout de pain que l'on pose dans l'assiette, on le pique avec la fourchette, on le sauce légèrement, sans non plus avoir une assiette toute propre à la fin, c'est pas nécessaire, et on le met dans la bouche. Hop! Voilà. Et à la fin, on pose sa fourchette délicatement dans l'assiette, comme ça. Est-ce que c'est compris? Oui, mère. Bon. Eh bien, si vous déjà vous retenez ça, eh bien, la France ira beaucoup mieux. Hein?